Salut Eder, salut tout le monde. Hop. Allez. Est-ce que tout fonctionne bien? Salut les amis, salut tout le monde, salut à tous, salut à toutes. Hop là, Denis, il aille solo. Salut Barieno, salut Diana, salut Romuald, salut André, pardon. Salut Lydie, est-ce que vous m'entendez bien ou est-ce qu'il faut que je rapproche le micro de mon bec? Ça a l'air d'aller. Coucou à tous et à toutes, hein, déjà dans un premier temps, bah, bon week-end à toutes et à tous. Le dernier week-end avant le week-end fatal, je sais pas trop vous foutre, voilà, c'est ramé comme ça, j'espère que ça va. Bon, allez, on va faire un petit topo exprès, donc du coup voilà, on est vendredi, ouais, donc depuis dimanche soir, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, donc sixième soir d'affilée où je suis présent à Lorient. Là, ça serait dire des bêtises. Quand est-ce que vous m'avez pas vu? Vous m'avez pas vu que je dise pas de bêtises, mercredi ou mardi, je sais plus, ça y est, j'ai oublié, j'en sais rien, c'est pas grave. Bref, toujours pareil, hein, j'en appelle à la convergence absolue en local. Hein, et pourquoi en local? Parce que comme je dis à chaque fois, d'aller crier, cracher sa rancœur ailleurs, ben ça coûte de la thune. Voilà, on n'a pas assez de thune pour mettre du gasoil ou autre. Donc voilà. En tout cas, j'aurais essayé de mettre un truc en place du côté de Lorient. Je sais même pas si je vais m'épuiser à le refaire la semaine prochaine. Parce que si c'est pour se retrouver à 5, 6, 7, 8, voilà. Je vais voir, je vais réfléchir. On verra mardi. On verra lundi et mardi. J'en sais trop rien. Tout ce qui est sûr, c'est que j'aurais essayé de faire quelque chose. Excusez-moi. J'ai le pollen qui me titille les narines. Donc voilà, moi le but, voilà, c'était de vous mettre en contact les gens qui avaient envie de se rencontrer, de discuter, de mettre des plans d'action en avant, enfin voilà, peu importe. Après, comme je dis à chaque fois, moi j'ai fait ça, je l'ai fait en mode, voilà, sans en appeler à la violence ou quoi que ce soit, c'est juste que les gens puissent se rencontrer entre eux, puissent discuter, puissent y échanger, parce que j'ai rencontré quelques personnes qui étaient un peu perdues, qui sentaient qu'en étant chez eux, ben, au moins... Voilà, et puis je leur ai dit, mais faut sortir à ces personnes-là, faut sortir. Il y a beaucoup de personnes qui sont comme nous et on n'est pas des vilains petits canards, on n'est pas des dangereux. Et si on reste cloîtré chez soi, bah là, ça devient compliqué. Alors comme je dis à chaque fois, black, blanc, beurre, peu importe tes origines, peu importe tes religions, peu importe ta couleur, peu importe ta profession, voilà, peu importe tes étiquettes. Bref, tous ensemble, convergence absolue. Le problème, c'est que c'est compliqué. Donc, bah voilà. En tout cas, j'aurais essayé. C'est pas faute d'essayer. Je pense qu'il va y avoir 2-3 personnes qui vont venir, sûrement. Je l'espère, en tout cas. Mais voilà. Après, je vais pas vous filmer. Si je vois quelqu'un que je connais, je crois bien. Si, il y a quand même des gens qui viennent, finalement. Et ça fait... salut! Ça fait plaisir. Voilà. Si, il va peut-être y avoir quelques personnes qui vont venir malgré tout. On sera peut-être pas nombreux, mais ça permet de se voir, profiter du soleil et puis voilà quoi. Eh ouais, personne bouge et pourtant voilà, ça c'est très bien comme j'adore cette phrase. Personne bouge et pourtant, tu vois, au niveau commentaire, il y a un mec du 50 qui a mis personne bouge et pourtant, et j'aime bien. Personne bouge et pourtant, ouais. Et pourtant. Mais bref, en tout cas, on est quelques-uns à se bouger, c'est souvent les mêmes, et puis voilà. C'est ce que je disais, moi je sais pas si la semaine prochaine, je vais voir si je vais rééditer le truc ou pas, en attendant, j'en sais rien. Parce que c'est de l'énergie, et puis j'ai un week-end au niveau live aussi, où j'ai pas mal de choses à faire ce week-end. J'ai même commencé à 14h tout à l'heure avec le jeune qui faisait de la trottinette, enfin voilà. Et demain soir, il y a concert au Cheyenne, demain après-midi, il y a Manif, dimanche, il y a Brace Game à Vannes. Enfin voilà, il y a quelques...
plein de choses à se mettre sous la dent. Voilà les amis, avec des belles rencontres à chaque fois, pour ma part en tout cas. Donc voilà. Bref, politique, je vais arrêter d'en parler. De toute façon, ma position, vous la connaissez. Personnellement, je vais vous la redonner si vous la voulez. Moi, personnellement, je ne revoterai pas Macron, c'est une certitude. Après, libre à chacun de faire ce qu'il veut. Après, je me rends compte que ça fait débat de parler de vote blanc, d'abstention, de voter Le Pen. Libre à chacun de faire ce qu'il veut, hein, finalement. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je ne voterai pas pour Macron et que j'irai voter. Donc voilà, hein, je vous laisse analyser le truc. Après, si j'y vais à contre-cœur, je vous le dis franchement. Et c'est sûr que j'irai pas voter blanc. Et c'est sûr que je vais pas m'abstenir par respect aux anciens qui nous ont permis qu'on puisse avoir un droit de vote. Donc voilà. Après, je voterai contre Macron. Je ne dis pas que je voterai pour. Je voterai contre. Ça sera un vote contre. Faut bien faire la nuance parce qu'elle est dure. Je vois qu'il y a beaucoup de liveurs comme moi qui essayent de l'expliquer, de le dire et ils se font tacler de ouf et voilà. Je pense que vous avez pu voir pas mal de likes cette semaine avec la campagne de Macron. Formidable ta campagne, Manu. Franchement, j'adore, je suis très admiratif. C'est un peu comme quand tes gars vont dans les salles pour représenter la Macronie et que c'est des réunions publiques et finalement, non, c'est des réunions publiques privées. C'est pareil, les gens qui vont à l'approche, il y a une première sélection parce qu'on sait très bien que les vilains petits canards comme nous, bien qu'on a des choses intéressantes à dire, mais on gêne, ça fait chier, ça dérange. On est des complotistes, ok, je suis un complotiste, je peux l'entendre, j'en ai rien à foutre. Comme je dis à chaque fois, mon combat, il est par rapport à mes gamins, par rapport à vos gamins, par rapport à vos enfants, par rapport aux générations derrière moi, par rapport aux anciens aussi, qui savent même pas au niveau de leur retraite comment ça va se passer, et même pour les anciens qui se sont battus et qui sont morts aussi par rapport à tous ces cons-là. Donc voilà, moi, ma conviction, elle est là, je me bats comme ça. On prend pas, libre à chacun de faire. Mais voilà. Donc, de toute façon, je ne vais pas m'étaler sur le truc. Moi, je vais profiter des personnes qui viennent là, même si on n'est pas nombreux. Au moins, ça permet de discuter un moment, d'échanger, de partager. Et puis voilà. Monsieur le R, monsieur le maire de Lorient, que les choses soient claires. Je n'en appelle en aucun cas à la violence. Je veux juste que les gens convergent, discutent et échangent. Je sais que vous regardez le live. Messieurs, dames des forces de l'ordre de Lorient, pareil, hein, je vous envoie le même message. Hein. J'en appelle en aucun cas à la violence. Et en aucun cas, je suis un leader ou un porte-parole de quoi que ce soit. C'est juste, j'essaye de regrouper les gens entre eux qui puissent discuter entre eux. Voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire, c'est fait. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne fin de journée, un très bon week-end de Pâques. Essayez de relativiser, même si c'est compliqué en ce moment. Il faut relativiser un maximum. Aller au contact des personnes, aller discuter avec les gens, et puis voilà. Bonne soirée, et puis en attendant, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. À demain sur un prochain live.